Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Effectivement, comme vous avez constaté, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Donc j'ai décidé pour ça d'y remédier. On va faire une pizza hyper, hyper simple et hyper rafraîchissante. Donc je vous présente les ingrédients. Nous avons besoin d'une feuille, d'une pâte feuilletée, excusez-moi. Une pâte feuilletée, moi, la mienne elle est épaisse, mais une pâte feuilletée quelconque. 4 belles tomates. Nous avons là après vous prenez le fromage que vous avez, moi là j'ai du gouda en petit dés. Donc moutarde, huile d'olive, sel, poivre et mes herbes. Donc moi j'ai du thym, de la ciboulette, vous prenez ce que vous voulez. Recette hyper simple. Allez hop, c'est parti pour la réalisation. Donc là j'ai déroulé ma pâte feuilletée sur un plateau à l'enfour. Le four est préchauffé à 200-220 degrés, ça dépend de votre four. Donc, je prends ma moutarde. Je mets une bonne quantité que je vais bien étaler sur ma pâte feuilletée. Voilà, on étale bien sur toute la surface. Je donne quelques petits coups de fourchette comme ça sur le fond de la pâte. Et là, je viens m'amuser à mettre des rondelles de tomates. Vous les placez comme vous voulez, hein. En quinconce, chacun à sa façon. Donc là, voilà, j'ai rempli mon fond de tarte avec des rondelles de tomates. Je sale, pas trop, je sale. Je poivre. Un bon tour. Alors ensuite, vous prenez les herbes que vous voulez. Moi, j'ai du thym. J'ajoute du thym. Là, j'ai de la ciboulette. Là, je prends de l'autre côté. C'est pas grave. De toute façon, les herbes, c'est très très bon pour la santé. Et là, à ce moment-là, j'ajoute mes petits cubes de fromage. Là, en l'occurrence, c'est au cumin. Après, vous prenez ce que vous voulez. Ça en mettez un peu partout. Donc voilà. Ensuite, j'arrose un filet d'huile, d'olive, léger. J'enfourne 20-25 minutes, vous surveillez. Rendez-vous à tout à l'heure pour le résultat. Voilà, après 30 bonnes minutes, 30-40 bonnes minutes, vous voyez le résultat extraordinaire. Donc moi, par la suite, j'ai rajouté des petites olives noires. C'est un choix. Donc je vous souhaite un excellent appétit. Je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker et je vous dis ciao, à plus.